toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Medieval sur PlayStation et nous sommes donc à l'épisode 13 dans les ruines hantées. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Donc j'avais fait un petit peu ce niveau où je m'étais vautré et j'ai réussi à faire un bug assez épique dans le jeu, c'est que l'écran était resté noir. Donc je sais pas si vous avez déjà eu cette petite surprise, mais je viens de la voir, c'est vraiment assez étrange. Alors ici... il faut essayer de foutre ses poulets sur les graines. Vous avez fait ça, vous êtes tranquille. Faut qu'elles aient faim. Alors c'est surtout sur le truc de l'heure, je devrais mettre. Bah là ouais, petit poulet. Tu peux aller avec eux. Heureusement, on peut pas les tuer. Je les fais peur comme ça. Elle est pas trop prête à mon avis. Allez, on y va. Go. Donc là, le niveau commence à partir d'ici. Donc ici, il y a une pierre, on va lui parler là. Bienvenue au château Pérégrin. À l'époque du roi Pérégrin, cet édifice majestueux abritait le trône ainsi que toute la famille royale. Aujourd'hui, il n'abrite plus que des fantômes et des souvenirs oubliés. On verra ça. Hein. Non, on peut pas. Je préfère tenter, je vais pas vraiment regarder. Ouais. Ici, on a une ruine du chaos. Nous l'utiliserons d'ailleurs. Pareil, parce qu'en fait on est obligé de l'enclencher. C'est un peu malheureux, mais on est obligé de suicider ces fameuses personnes. Donc moi j'en ai tué deux. Ah, quoique. Ah putain, j'aurais peut-être pas dû les tuer en. Aïe, j'ai peut-être fait le con pour le calice. Que je les ai tués à la main, donc du coup. En plus, on peut pas recommencer le niveau comme ça dans ça. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Ok. On y va, on va aller là en bas. Encore des nouveaux ennemis que nous n'avions pas rencontrés. Ceux-là. Des armures avec des masses d'armes, si je ne dis pas de bêtises. On va aller de l'autre côté, là-bas. Parce que je n'ai pas encore vu ce qu'il y avait. C'est la nuit.
sœur Danielle Fortesque. Cela faisait longtemps. Bienvenue au château Pérégrin. Quelle tristesse que tu découvres ces ruines. Le joyau de la couronne de Galomère est devenu le refuge dépravé de l'armée de Zarok et de ses démons des ténèbres. Ok. Un peu dommage, mais on est bien obligé. C'est pas notre faute, hein. Donc ici. Bon, on va carrément attendre, puis après on passera. On va bien diriger la caméra. Ok. Ici, il y a la couronne que nous allons récupérer. Ok, c'est bon. Ici, il y a de la vie à récupérer par la même occasion. On n'avait pas beaucoup de vie, on a tout récupéré quasiment là, grâce à ça. On est tranquille, hein, je vous le dirai. Couronne du roi Pérégrin. Nuntur Fortesque, le plus noble de mes courtisans, le plus courageux de mes capitaines. Quel triste moment pour nous rencontrer lorsque le destin de ce royaume repose encore sur toi. Grand Dieu Fortesque, qu'est-il arrivé à ta mâchoire? Mon pauvre vieux. Regarde, l'armée des démons des ténèbres de Zarok se cache sous nos pieds à l'intérieur de cette montagne. Et ils se préparent en ce moment même à envahir Galomère. Pour contrer ces plans, nous devons faire s'écrouler le château sur eux et libérer la lave derrière les portes. Je peux te conduire au levier des portes, mais tu devras l'actionner seul. Bien sûr, il s'agit là d'une mission très dangereuse, même pour un Maccabée. J'imagine que lorsque ce monstre verra ce que tu as fait, il s'emploiera à te faire passer l'éternité dans le tourment le plus atroce. Mais je sais que ces choses ne veulent pas dire grand-chose pour un homme de ta trempe. Hein, Fortesque ? Superbe ! Bonne chance, mon ami ! Il a une peur bleue. Fela a été libéré, Serdan. Le château s'effondre. Il te reste très peu de temps pour vaincre les golems de pierre et échapper à l'enfer qui va se déchaîner ici. Hop, un de moins. Donc oui, au lieu que leur donner des coups, faut les pousser avec le bouclier. Hein. On va en avoir pour des années. Oh, et merde. Donc c'était ici que j'ai réussi à faire un bug. En fait, j'ai atteint le 0 seconde. Et au moment en fait où je suis mort aussi, ben, ça a déclenché un écran noir. C'est assez étrange. Passer assez rapidement. Bon, malheureusement on n'a pas le calice parce que j'ai tué personne, j'aurais dû m'en aller tout de suite, c'est pas grave. Hop, allez. Ouais, en plus j'étais en flamme. Bon, c'est pas encore trop grave pour le calice, comme je vous ai dit. De toute façon les armes on les a maintenant, donc
On est tranquille. Par contre, de la vie, ça aurait été assez sympathique. Donc, on va sauvegarder. Voilà. Je pense que ça pourrait déjà être plutôt pas mal. Alors. Je vais juste regarder quelque chose. Si ça ne demande pas encore trop de temps, je vais juste refaire les niveaux. Ouais, bah, je vais refaire les niveaux. Donc par contre, je vais les faire en 9. Pour histoire d'avoir ces calices. Donc je vous dis à tout de suite. Re les amis, donc là je vous fais voir le premier calice. Voilà. Très difficile ici hein. C'était donc le niveau précédent hein, celui que je vous ai montré. Donc là hop, on refait comme tout à l'heure. Donc je vais essayer de faire pareil avec le lac pour que on ait le calice et qu'on voit après ce qui va se passer bien sûr. Donc là j'aurais récupéré un peu l'argent aussi parce qu'on ne sait jamais. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai juste perdu mon bouclier. Donc voilà. Le hall des héros. Donc là, vous aurez les deux halls des héros. Et après, on s'arrêtera donc pour la petite aventure de Medivhille pour le moment. Hein, bien sûr, pour cet épisode. Donc ça, j'avais pas trop perdu de vie comparé à avant. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire du coup? Alors, Daniel, j'ai peut-être quelque chose pour toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça te dit ? On va prendre. Vous voyez ? Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, il faut vraiment essayer de les faire pour gagner un maximum de vie. Et en notre fameuse statue de Sir Daniel Fortesque va continuer de s'agrandir. Voilà, donc là, au moins, on termine ce premier niveau avec le calice. Et là, donc, je vais m'attaquer donc en off, comme j'ai fait tout à l'heure, pour que vous puissiez voir aussi le fameux lac avec son calice. Donc, juste au moment où j'aurai trouvé ce calice, j'enregistrerai. On verra encore qu'est-ce qui va nous arriver, bien sûr. Donc, on se retrouve à tout de suite, les amis. Alors les amis, on se retrouve donc toujours sur Medivhille au niveau du lac. Alors j'ai découvert en fait l'astuce qu'il fallait réaliser pour récupérer le calice ici en fait. Vous voyez l'œil que je viens de faire. Je viens d'attendre devant l'œil. Alors je viens de vous le montrer et en fait c'est ça qui déclenche le trigger des ennemis qui viennent vous attaquer. Donc en gros, vous devez vous faire repérer pour que ainsi vous ayez des ennemis qui vous attaquent. Et bien sûr. Ben, on les voit plus. Pas cool. Donc voilà les amis, au moins vous puissiez voir comment on peut débloquer ce fucking calice là. Merde, j'aimerais bien qu'il y ait au moins une deuxième ennemis qui décolle. Voilà. Donc là c'est bon, là normalement je vais avoir mon calice tranquillou. Hein. Bon, par contre je cherche pas comprendre, vous voyez, là je peux aller chercher le calice. Donc se faire repérer et après donc dégommer ces satanés ennemis, c'est pour ça qu'il me manquait en fait un ennemi comme vous pouvez le voir, pour pouvoir débloquer ce calice. Donc j'ai dû m'y reprendre 3 fois pour vraiment comprendre comment il fallait faire et dès que j'ai compris, bah, je me suis dit ah bah voilà, je peux enfin saisir ce calice. Donc voilà, si vous le saviez pas et que vous vouliez le savoir, vous pourriez dire merci Warrior pour cette petite explication au niveau de ce niveau. Bien sûr c'est un peu en retard, c'est sûr, mais je préfère vous le dire maintenant que ne jamais le savoir. Ce serait dommage. Donc là, normalement je crois que je peux finir mon niveau là.
Mais je peux finir mon niveau, donc on va finir le niveau. Et après, il y aura donc le calice. Le calice. Pourtant, je vais avoir. Vous voyez, parce que j'ai même pas tué les deneuils là, ils sont tous là, vous faites repère. Vous laissez jusqu'à temps que les ennemis en fait viennent vous sauter à 1, 2 ou 3, voire 4, parce que là on avait 4 bonhommes dessus. Et vous les tuez. Tout simplement, il faut pas. Voilà, il en faut pas plus. Alors. Par contre, je vais regarder un petit peu où je dois aller. Parce que là, je ne sais plus. Comme ça, nous avons donc, pour définir, tous les calices pour le moment. Alors, c'est pas lui. C'est encore le centaure? Non, c'est plus le centaure, apparemment. C'est pas lui. Ah, ma copine. Salut l'étranger. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ferme ton œil et tends les mains. Au moins vous me direz j'ai de la vie. Donc voilà les amis, au moins nous avons découvert ce satané dilemme du lac. Donc nous pourrons avancer tranquillou dans l'aventure de Medieval en espérant que cela vous plaise toujours autant. Et que ça vous fera toujours plaisir de pouvoir découvrir des jeux en let's play, surtout des rétro let's play, c'est ça qui est la classe. Parce qu'on en voit. On en voit encore des rétro let's play, pas tout le temps, hein. C'est un peu dommage. On va juste sauvegarder hein, pour être tranquille. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, au moins, là vous voyez, on l'a. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour un épisode de Medieval. Salut à tous.